Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois le centre de périnatalité au monde. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Oui. Merci de venir nous parler de votre entreprise. Merci à vous. Le centre de périnatalité au monde. Mm-hmm. C'est dur à dire. j'aimerais ça que vous commenciez par vous présenter un petit peu de qu'est-ce qui fait que vous avez voulu partir ce projet-là. Tu peux, Guylaine, en premier? Oui, bien sûr, je suis un peu à l'origine de cette belle histoire-là. Donc, moi, c'est ça, je suis maman et je suis massothérapeute et je suis propriétaire d'une clinique de massothérapie et j'avais envie de travailler en périnatalité parce que c'est vraiment une grande passion pour moi. Donc, j'ai fondé Au Monde avec la belle Mégane et voilà, c'est ainsi que l'histoire a commencé. C'est bon? Oui. En fait, moi, c'est Mégane. Moi, à l'origine, je suis enseignante au collégial, mais en administration, c'est bien de le préciser. J'ai une grande passion pour l'entrepreneuriat, le monde administratif, mais aussi une grande passion pour la périnatalité, donc les bébés, les femmes enceintes, tout ce qui entoure tous ces domaines-là. Donc, c'est pour cette raison-là aussi que j'avais envie, là, en fait, c'était mon rêve là, d'ouvrir un centre de soins périnatal. Et j'ai fait la rencontre de Guylaine là, par une connaissance. Et qui, Guylaine, elle avait aussi un peu le même souhait que moi. Ouais. Donc, on a relié ces objectifs-là ensemble, cette passion-là pour ouvrir au monde. Ça a débuté quand? En fait, c'est en plein début de pandémie. Oui. Et ouais, on s'est dit, c'est vraiment un bon moment. C'était le timing parfait. On avait du temps. Nous, notre but numéro un, c'était en fait d'offrir un point de service sage-femme dans la région ici. Malheureusement, on n'a pas pu ouvrir ce centre de soins-là parce que ressources financières et ressources humaines, donc on n'avait pas nécessairement... on ne pouvait pas avoir des sages-femmes ici, manque de main-d'œuvre et bon... ça. Et ressources financières, on n'était pas assuré d'avoir des subventions, d'avoir de l'aide du gouvernement non plus. Donc, pour la pérennité, pour la prospérité, pour s'assurer en fait qu'on puisse quand même poursuivre notre mission, on a dû tourner vers le privé et ainsi ouvrir notre centre de soins périnatal, mais plutôt au privé, mais tout en ayant la même douceur et la même passion là, pour nos nouveaux parents. Donc, puis de recentrer un peu les services qui allaient être offerts, qui sont un peu différents du centre de sage-femme qui était à l'époque, je suppose. Oui, en fait, c'est sûr qu'on touche un petit peu à tout autour de ça. Malheureusement, on n'offre pas de service sage-femme, là, c'est sûr. Mais on a vraiment, vous allez voir, là, un ensemble de services qui va toucher à extrêmement beaucoup de petits points dont une famille a besoin, là, ou du moins peut bénéficier là, lors de cette belle étape de vie. Oui. Puis je dirais, en même temps, c'est ça, on ne peut pas avoir de sage-femme malheureusement dans notre région parce qu'il manque de sage-femme. Mais la vision de Au Monde est un peu la même vision que les sages-femmes. Donc, ce qu'on amène comme service vient procurer aux familles un accompagnement qui ressemble à celui qu'il y aurait avec des sages-femmes. OK, super. Merci pour la précision. Puis si on parle vraiment de la mission de l'entreprise à proprement dit, c'est vous êtes basé sur... Ouais, vraiment accompagner les familles. Accompagner les familles dans ce qui est, je dirais, un moment vraiment très important dans leur vie. Hein. Quand on fonde notre famille, c'est ça. C'est un moment qu'on a attendu pendant longtemps, souvent. Donc, on veut les accompagner, on veut être près d'eux et pouvoir justement leur apporter tous les services dont ils ont besoin pour vivre cette expérience-là d'une façon épanouissante, là, tant que possible. Puis... Si on parle de service périnatal, là, ça comprend quoi, là? Parce que, on se doute un peu oui, de ce que ça comprend, mais plus précisément, là, ça recoupe quoi un petit peu? Et la périnatalité, en fait, c'est ce qui entoure toute la maternité. Donc, les services qu'on offre peuvent être aussi bien en préconception que pendant la grossesse et ensuite après la naissance de l'enfant, pour des soins pour le bébé et même
on est en train de préparer d'autres ateliers aussi, comme pour l'éveil à la lecture. Donc, il y a d'autres... Il y a d'autres besoins aussi au fur et à mesure que notre enfant vieillit. Donc, notre but, c'est vraiment de combler toute cette, je dirais, cette fenêtre-là de la vie intra-utérine, aller jusqu'aux premières années de vie de l'enfant. Jusqu'à, mettons, 2-3 ans environ, on parle de ça, là, oui. À peu près. Puis, est-ce que vous vous basez sur des organisations, des entreprises qui existent déjà? Parce que... T'sais, dans la région, vous êtes unique, oui. Mais ça doit exister dans d'autres centres un petit peu. Oui, bien c'est sûr que tu l'as mentionné, on est en région. Oui. Et si on se tourne vers les grands centres, on a des grandes entreprises qui vont offrir, oui, des services. Peut-être pas un aussi large éventail de services que nous. Nous, on va vraiment toucher à plusieurs points. Oui, ici en région, on n'a pas accès à tous ces services-là comme en grand centre, mais c'est notre but. C'est vraiment notre mission de pouvoir les offrir. Mmh. Puis c'est pas parce qu'on est en région qu'on peut pas avoir tout l'accompagnement et tout ce qui englobe tout ça parce qu'on est dans une petite région. Nous, on veut vraiment l'offrir là, à notre clientèle qui sont ici dans la région d'Aymer, c'est des Appalaches là, en général. Mais on va quand même toucher assez large, là, donc autant pour le domicile que pour en installation ici dans nos locaux. On couvre vraiment une large région. Oui, c'est ça. Votre but, c'est dans le fond, toute personne qui serait intéressée à faire avec vous au-delà du territoire de la MRC des Appalaches. Oui, exactement. Ils ont juste oui. à vous contacter. Bien, oui, ça certainement. Va faire plaisir. Oui, on essaie aussi d'y aller beaucoup dans le en ligne, là, qui est de plus en plus populaire maintenant. Et c'est sûr que nous, on aime beaucoup le côté humain, et se retrouver en groupe, être ensemble. Mais on offre quand même des fois là, des formules en ligne qui font en sorte que bien, on peut aller toucher un peu plus de gens, l'offrir à plus de personnes. Puis même là, le domicile, on couvre notre région, mais si on a à aller plus loin, il y a des petits frais de déplacement parfois qui peuvent s'appliquer, là, mais on est vraiment prêt à aller à quand même assez large là, dans notre territoire. Puis je rentrerai peut-être dans la description produits et services. Si on débute peut-être avec les services, vous avez une belle offre, là, comme vous le mentionnez tantôt, là, pour l'ensemble de la population pour desservir. On commence par quoi? on peut commencer par un de nos services chouchou, que je dirais, ah oui, qui est le thalasso pour nouveau-nés. Guylaine est formée et moi aussi je suis formée là, en thalasso. Donc, c'est un soin qui va se donner dans les premiers 21 jours de vie. C'est un soin que nos parents adorent, mais nos nouveau-nés aussi aiment beaucoup. Mmh. En fait, on fait revivre la vie intra-utérine à bébé dans l'eau. C'est un soin qui se donne à domicile ou en installation. Donc, c'est vraiment au choix des parents. Et c'est vraiment un beau moment pour les parents, donc vraiment calme, vraiment zen. On va venir un peu revivre la naissance. Et bébé vient nous montrer sa position fœtale quand il le souhaite, quand il est ouvert à le faire. On peut venir mettre les yeux sous l'eau aussi à bébé. Donc, c'est vraiment un moment de détente, dénouer les tensions à bébé, essayer de comprendre des choses. Et donc ça, c'est un de nos soins là, que nos familles aiment beaucoup. Mmh. On a aussi une photographe qui peut venir. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que les parents ont le choix soit de prendre les photos eux-mêmes ou d'avoir les services de notre photographe. Donc, c'est des moments qui sont vraiment très, très émouvants. Puis, c'est ça, ces photos sont très appréciées. Oui, ça doit faire un beau souvenir de ce moment à vivre-là. Ouais. On vient comme recréer l'espace intra-utérin, l'espace de quelques... Pendant quelques minutes, mais des fois, on a des bébés qui restent quand même assez longtemps. Des fois, ils ne veulent plus sortir. Oui. Même souvent, les parents vont nous dire qu'après le soin, le bain, il va bien, c'est un beau moment, que bébé est calme, reposé. J'ai eu souvent des commentaires, on dirait que je me suis attachée davantage à mon bébé. T'sais, je l'aimais, mon bébé, mais c'est comme si je suis retombée en amour avec lui. C'est des moments qu'on crée que les parents, souvent, il y a des larmes qui vont couler. Tu sais, c'est un petit moment qu'on aime faire vivre là, à nos nouveaux parents. C'est-tu moi où il y a aussi une... En fait, on a comme appris à parce que ça existait sûrement avant, mais on dirait que c'est comme revenu un peu plus à... Je dirais pas à la mode, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers ce type de service-là, contrairement, je dirais peut-être il y a 15, 20 ans. On dirait que... Ouais, je sais pas, c'est peut-être que... J'ai peut-être une mauvaise lecture du mal. Non, je crois pas. Bien, je pense qu'en fait, le thalasso, bien, dans la région, on est pas mal les premières. C'était peut-être pas très populaire. Ça vient d'Europe. Fait que, tu sais, le temps que ça parte de l'Europe et que ça arrive au Québec, des fois, ça prend du temps. Mais bon, mais je pense
que plus ça va, plus notre société est très, très informée sur le développement de l'enfant, sur la psychologie. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus... ouvert. Oui, ouais, on a beaucoup... En tout cas, en tant que parent, moi, je pense qu'on a comme plus d'intérêt à, c'est ça, à offrir vraiment le meilleur départ possible à notre enfant. Oui, mais tant mieux aussi. C'était positif, mon intervention, oui, oui, dans le sens. Puis c'était ça, c'était un peu ça le but de ce que je voulais dire. Si on poursuit dans les services, bon, on parlait de Thalasso après ça. Les ateliers de groupe. Ateliers de groupe que Guylaine anime avec beaucoup de passion, de douceur, et les mamans l'aiment beaucoup. C'est vraiment des beaux moments. Oui. Donc, on a des ateliers de groupe pour le massage bébé. Donc, j'apprends aux mamans à masser leur bébé. Donc, c'est un moment merveilleux d'échange et de plaisir et pour renforcer aussi le lien d'attachement. Je dis maman, mais les papas viennent aussi. Fait que ça, c'est vraiment génial quand on a des papas qui ont le goût de participer au cours puis de venir masser leur bébé. Donc, c'est un moment, c'est ça, un moment d'une belle douceur, je dirais, qu'on vit. C'est 5 rencontres, donc ça dure 5 semaines. Puis, c'est ça. On a aussi les ateliers de préparation à la mise au monde. Donc, c'est un atelier qu'on a conçu qui est vraiment, c'est une formule vraiment unique parce qu'on voulait qu'il y ait, oui, un aspect théorique, mais je tenais aussi à ce qu'il y ait un aspect échange entre les mamans. Donc, je trouve ça important qu'elles puissent se déposer, qu'elles puissent raconter comment elles se sentent, tout ça, et échanger entre elles. Donc, il y a cet aspect-là et il y a aussi du yoga qui fait partie intégrante de la préparation à la mise au monde. Donc, ça regroupe vraiment une préparation, je dirais, psychologique puis une préparation physique aussi. Un côté humain. Oui, puis une approche sage-femme. Oui, vraiment. Bien, justement, dans les cours de préparation à la mise au monde, il y a différentes intervenantes là, qui viennent au cours de la session. Donc, Guylaine qui a mille et une formations, premièrement. Ensuite, il y a une enseignante de yoga qui vient pour parler de respiration, postures de yoga, et qui peuvent être très pertinentes pour les mamans. Et sinon, on a une infirmière qui a étudié aussi pour devenir sage-femme. Donc, elle apporte cette approche-là là, auprès des futurs parents. Moi aussi, j'y vais en tant que praticienne en postnatal. Donc, tu sais, on a vraiment plein de visions, vraiment plein d'approches. Avec Guylaine qui chapeaute le tout, là, c'est souvent les mamans, après ça, ils reviennent au cours d'atelier pour massage, puis tu sais, ils sont contentes, ils discutent ensemble, ça leur fait du bien de sortir de la maison, de leur montrer leur bébé, se poser des questions. Mm. C'est vraiment un beau lien qu'ils développent ensemble, puis ça, on est bien fiers de pouvoir offrir ça là, à ces nouveaux parents-là. Une belle série d'ateliers. Là, parce qu'ils se sont connus en prénatal, donc là, ils se revoient après en postnatal. Puis on a un papa aussi qui vient animer. Oui, c'est vrai. Oui, il ne faut pas l'oublier. Non. Fait que c'est merveilleux parce que les hommes, des fois, ont besoin de jaser entre hommes. Donc, il y a un papa qui vient animer un soir. C'est vraiment une soirée juste pour les hommes. Les filles, on n'est pas là. Puis ils peuvent parler de choses vraiment en gars. c'est ce qui reste là. Hein? Ouais, on ne peut pas dire ce qui se dit là. Non, on ne sait pas. On sait pas. Puis, est-ce qu'il y a d'autres ateliers aussi qui sont donnés? Oui, on a fait des ateliers aussi un petit peu ici et par là, donc sur différents sujets. Donc, par exemple, un atelier sur l'allaitement, un atelier justement en collaboration avec la Clinique Orpère sur l'éveil à la lecture, une collaboration aussi avec différents professionnels dans la région qui viennent donner des ateliers, pas nécessairement récurrents, mais qu'on va offrir ici par là, juste pour pouvoir informer, pour pouvoir donner du bagage là, à nos parents. Donc, c'est aussi des ateliers qu'on offre en ligne ou en présentiel, là, dépendamment le type d'atelier là, qui est offert, portage, etc. Excellent. Donc, vous répondez à la demande. C'est ce que je comprends aussi à quelque part. T'sais, vous ajustez... L'avantage, c'est que votre offre d'atelier n'est pas fixe dans le temps. Tu sais, vous répondez selon les... On écoute les besoins de nos familles, puis on y va. Tu sais, on a aussi d'autres professionnels. C'est ce qui fait aussi l'unicité un peu d'au monde. On a différents professionnels qu'on va chercher, que ce soit coach familial, sexologue. Et on a en fait une dizaine. Naturopathe, on a beaucoup de professionnels qui se sont joints à nous. Exact. Fait que ça permet de mieux répondre aussi aux besoins des familles. Donc, on peut les diriger vers des professionnels selon leurs besoins. Puis, vous développez aussi une gamme de produits. Oui. Qu'on a une partie devant nous. Donc, on est très fiers. Ouais. C'est une belle collaboration avec notre naturopathe Cynthia Jolicoeur.
Donc, moi, je lui ai apporté mes idées, puis elle a conçu les recettes. C'est vraiment elle qui a mis tout ça au point. Donc, on a ici l'argile. Ça, c'est ma recette miracle pour les foufounes de bébé. C'est ce que j'ai utilisé pour mes enfants et ça fait des miracles. Donc, j'ai demandé à Cynthia de me concevoir une petite recette d'argile. Donc, elle a ajouté deux autres ingrédients dedans qui sont fantastiques. Donc, c'est vraiment notre, je dirais, un de nos produits, un gros vendeur, notre chouchou. Et ensuite, à droite, elle a fait aussi le liniment oléo-calcaire. Donc, c'est fait avec de l'eau de chaux et de la cire d'abeille et de l'huile d'olive. Donc, c'est complètement naturel. Ça vient hydrater la peau. On peut s'en servir pour masser bébé, pour crémer la bédaine, pour se démaquiller. Donc, et surtout pour changer les couches, pour venir bien hydrater les foufounes puis protéger contre l'urine ou les selles. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment très, 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 très populaire aussi. C'est ce qu'on utilise pendant nos cours de massage pour bébé. Okay. Et on a les tisanes. Là, il y en a une, mais les autres s'en viennent. Notre producteur est en train de faire la cueillette en ce moment dans le champ. Donc, on est à cette étape-là. Fait que là, on a la tisane pour l'accouchement. Donc, ce sont des herbes qui ont été sélectionnées pour aider l'utérus à bien travailler efficacement pour l'accouchement. Et on va avoir une tisane aussi pour l'allaitement, une tisane pour le sommeil, vraiment qui sont dédiées à la femme enceinte. Donc, mm-hmm. des ingrédients tous sécuritaires. Puis une tisane pour les nausées en début de grossesse aussi. Donc, ça, allaitement, nausées, sommeil. On a 3-4 autres tisanes qui s'en viennent. C'est bon. Mm-hmm. Excellent. Donc, ça, c'est vos produits, je dirais, au monde. Oui, oui. Vous avez une offre de partenariat aussi là, pour d'autres produits, je dirais, plus connexes. Là, Des produits qu'on sait qui sont indispensables, mm-hmm. qui ne sont peut-être pas accessibles bien, ici en région. Donc, que ce soit d'un coussin tout usage du style allaitement, positionneur pour bébé, un coussin positionneur latéral aussi. On a nos boules à de grossesse aussi qui sont super appréciées. Je ne les nommerai pas tous. Porte-bébé, je ne les nommerai pas tous pour ne pas en oublier. Là, mais sur notre site web, là, on a vraiment beaucoup de produits en collaboration avec des entreprises dont on a confiance, qu'on connaît, qu'on sait que les mamans et les papas aiment beaucoup. Donc, on offre aussi là, ces gammes de produits-là là, qui sont beaucoup très appréciées, souvent pour des cadeaux, que ce soit justement là, même pour des cadeaux, tout ce qui est nos services offerts, ateliers, thalasso, on a toujours des certificats cadeaux. Mm-hmm. C'est une grande majorité de nos achats, en fait, qui sont faits par certificats cadeaux. Souvent, c'est quelqu'un qui va le recevoir, qui va le racheter pour une amie, c'est tellement des beaux cadeaux à offrir, les parents sont contents. Souvent, là, c'est... Oui, ça s'offre bien. Beaux cadeaux. C'est des cadeaux originaux, disons, originaux de ouais. m'acheter. Ouais. Mm. Ben, tu sais, on a tous offert un cache-couche en cadeau à un nouveau-né. On a tous fait le classique. Puis, tu sais, des fois, de vouloir offrir d'autres choses. Puis, des fois, ben, c'est bien beau de dire on offre de quoi pour l'enfant, mais des fois, d'offrir de quoi pour le parent aussi, c'est vraiment agréable aussi. Fait qu'en venant offrir un atelier, ben, on offre un cadeau à l'enfant parce que se faire masser. Ça a des propriétés extraordinaires, mais on offre aussi un beau cadeau à la maman parce que ça lui fait du bien de sortir puis de voir du monde. Puis, Oui. Fait que tous les services qu'on offre, en fait, c'est ça. C'est un cadeau à la fois pour maman puis pour bébé. Oui, là, on en a nommé, mais on ne les a vraiment pas tous nommés. Donc, si jamais, c'est vraiment sur notre site web qu'on est capable de voir l'ensemble de nos services. Exact. Puis les gens qui achètent des produits chez vous, vous leur remettez une carte rabais aussi, je pense? En fait, on a beaucoup de partenaires dans la région. Donc, lorsque, par exemple, une famille vient à un atelier ou surtout pendant les thalassos aussi, on remet une carte avec l'ensemble de nos services, mais aussi des rabais chez différents de nos partenaires. On sait que ça coûte quand même cher avoir un enfant, donc c'est toujours agréable d'avoir des cartes rabais chez des partenaires dont on a confiance et qui sont bons à aller voir, là, surtout avec un nouveau-né. Excellent. Moi, je m'adresse aux deux entrepreneurs. On a parlé de votre entreprise tout ça. Mais si je parle de défi là, de partir son entreprise en région, en service, des défis, vous devez en avoir eu plein. Oh my God. Ben, vous devez en avoir encore plein. Oui. Je le sens, vous êtes passionné, vous y croyez, vous voulez que ça réussisse. On fait comment pour garder la flamme? On est deux. Fait que ça nous aide beaucoup. Oui, okay. C'est vrai. Ouais, quand j'ai commencé, j'étais toute seule, puis je trouvais ça plus difficile en étant seule. Puis je voulais offrir plein de services, puis je voyais bien qu'à moi toute seule, je ne pouvais pas combler, je fournissais plus la suite des formations. Fait que c'est ça. En allant chercher une belle équipe, je pense, en tout cas, moi, je trouve, tu diras, toi, qu'est-ce que t'en penses, mais moi, je trouve que c'est ça qui me donne comme la flamme, puis
C'est ça. Ouais, la flamme, c'est un bon mot. Et si je fais du pouce sur Glyn, qu'est-ce qu'elle dit? Je trouve vraiment qu'on a des compétences différentes, puis on se complète bien, puis je pense que c'est extrêmement important en affaires, et je le répète à mes étudiants, à quel point c'est important de bien s'entourer, mais des bonnes personnes. Glyn, elle a une expertise, elle a une douceur avec les mamans, une approche, elle l'aime beaucoup. Et moi, j'ai un petit peu plus le côté administratif, le côté gestion, dont je m'occupe de l'entreprise. Je pense que ça se mélange bien. Glyn, elle a tout le temps plein d'idées, c'est toujours beau. Moi, je la ramène tout le temps un peu à la terre. C'est vrai, complémentarité, c'est très important. Vraiment, que ce soit pour n'importe quoi, n'importe quelle idée, sujet, peu importe, la discussion qu'on a, on se complète extrêmement bien. Fait que je pense que ça a vraiment une force. Oui, c'est ce qui fait la force de notre équipe, je vraiment. Pense. Vraiment. Sinon, la passion, là, tout simplement. Je pense que quand tu te lances en affaires, tu dois être passionné par quoi tu te lances. Moi, j'étais passionnée par l'administration, mais aussi par la périnatalité. Ça fait en sorte que je veux offrir le meilleur pour ces nouveaux parents-là. Quand je vais faire un thalasso, quand je rencontre une famille en postnatal, je ne travaille pas, tu sais. C'est juste du don de soi. J'aime le faire, puis je suis contente d'être là, puis de leur offrir ça. Ça, c'est vraiment aussi la clé, là, de peut-être être passionné puis de le faire pour les bonnes raisons aussi. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand on suit notre cœur, qu'on suit nos passions puis nos talents, c'est là qu'on réussit. Puis c'est là qu'on fait le plus de bien aux autres. Puis j'ai trouvé que ça faisait du sens parce que c'est ça. Moi, la périnatalité, c'est depuis que j'ai ouvert mes yeux, que je suis maman, que j'ai un bébé, que je suis enceinte. Donc, c'est ça. Ça fait partie de moi, c'est... On s'en est tellement souvent parlé. Jouer à la poupée, de vouloir avoir des bébés si jeunes, les gens qui me connaissent le savent à quel point je ne parle que de ça. Mais oui, fait que c'est un beau mélange de passion, d'être dans une bonne équipe, d'être bien entouré, de croire aussi à ce qu'on fait. Bien. Puis de voir le bien que ça fait autour. Ça, c'est Puis si on parle un peu de futur pour au monde, de vision, on s'attend à quoi? On souhaite vraiment se concentrer sur peut-être deux choses en particulier. Premièrement, aller chercher le plus de gens possible au sens où on aimerait ça être la référence dans la région pour la maternité. Une maman souhaite tomber enceinte, une famille, je devrais dire, souhaite avoir un enfant dès la préconception ou du moment où elle sait qu'elle est enceinte, qu'elle vienne nous voir, qu'on puisse lui montrer la gamme, l'offre de services qu'on a, de produits qu'on a, qu'on soit vraiment la référence pour eux, pour pouvoir les accompagner là, dans cette belle étape de vie-là. Et finalement, on aimerait aussi ça, peut-être aller chercher d'autres professionnels. On est déjà une dizaine de professionnels, mais on n'est jamais trop. Ouais, on n'est jamais trop pour aider ces nouveaux parents-là. On n'a jamais trop de services qui sont offerts, trop de produits. Grossir, pouvoir offrir vraiment tout ce que les familles nous demandent, combler, répondre à tous les besoins, en fait, là, que nos familles ont ici dans la région. Super. Bien, excellent. Il reste 3 minutes à notre entrevue. Si on parle de point de service, si les gens ont des questions, ils veulent consulter vos produits, on trouve l'information où? En fait, on a un très beau local avec des petits locaux. Ça, on a un grand local pour les ateliers et des petits locaux pour les rencontres privées, thalasso, massage aussi. L'hypnose, en fait, c'est chez Guylaine. Guylaine, elle habite en haut. Puis en bas, là, on a un beau local tout vitré, rempli d'amour. C'est là qu'on est situé pour le moment. C'est situé à Thetford? Oui, à Thetford, sur le chemin du Vallon. C'est ça. Donc, c'est le premier étage de ma maison. Donc, on a acheté la maison en fonction de Au Monde. C'était le premier critère. Donc, tout le premier étage est dédié à Au Monde et à la Grande Ourse aussi parce que je suis encore massothérapeute. Puis, le deuxième, c'est là qu'on habite. Fait que ça nous permet de donner, je dirais, un petit côté familial aussi à Au Monde, ce qui était bien important pour nous autres. Puis après ça, vous avez votre site web aussi, est-ce que vous avez votre boutique en ligne pour l'enfant? Site web, au monde, la lettre aumonde.ca. Notre boutique en ligne, donc tout ce qui est inscription aux ateliers, inscription pour un service, achat aussi de produits, tout est sur notre site web, donc tout est fait en ligne électroniquement. Puis sinon, notre page Facebook, notre page Instagram, où est-ce qu'on publie aussi du contenu, on annonce aussi nos prochaines inscriptions, donc c'est pas mal là qu'on peut nous retrouver. Et si jamais les gens ont des questions, ils peuvent communiquer avec vous directement. Là, ça tombe sûrement dans un... Si ce n'est pas les deux cellulaires... Ça tombe dans les deux cellulaires, effectivement. Oui. C'est toujours un plaisir de répondre toutes les questions, juste discuter. Ça nous fait vraiment plaisir.
Excellent. Bien, merci beaucoup pour de votre présence aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis, je vous souhaite une belle continuité dans votre développement d'entreprise. Merci. Merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.